monde hein, devant le. Mais ça va arriver très vite. Passy, frappe. Magnifique Gérald Passy. Quel exploit de Gérald Passy. Un enchaînement de toute beauté. Regardez, la balle va partir. Amorti de la poitrine. Il se la relève un petit peu et avant qu'elle ne touche terre, reprise de volée du coup de pied directement dans la lucarne. Kassa et Poupa, quand c'est imparable, ça va au fond. Et extraordinaire là, but de Gérald Passy. À la 43e minute, juste avant la mi-temps. Donc. Que l'on revoit sous un autre angle grâce à notre ami Baucher en plein. Il n'y est jamais, comme d'habitude. Ah, ballon piqué. Oh, oh là là, quelle erreur. Monumental. Ah, quelle erreur de la défense toulousaine. Et surtout monumental et mésentente entre Despérou, me semble-t-il, et Bergerot. Un ballon qui rebondit, c'est toujours mauvais. Oui, ballon piqué qui rebondit. Bergeron pense que oui, c'est Despérou qui était à la lutte avec Denis Kuznetsov. Bergeron qui n'a pas à faire en deuxième mi-temps le quart de ce qu'il a eu à faire avant le repos. Ah, Passy. Passy dans les 16 mètres. Tire et but. Oh, but de Passy. Deuxième but de Gérald Passy. Quelle soirée pour Passy. La deuxième minute de la deuxième mi-temps. Bien décalé par Eric Bellus. Il fait la différence sur Chibaev. Tir croisé du pied droit. Juste derrière le poteau. Dans le pied. Il atterrit dans les bras de Dassaev. De son crâne dégarni. Oh là là, bien joué Passy encore. Il peut Passy. La jouer tout seul cette balle. Il a une telle réussite là. Allez, hop, hop. Le jour de gloire de Gérald Passy. Fabuleuse soirée. Fabuleux. Restons encore un petit peu. Au départ, un amorti extraordinaire de Passy. Et quand on dit qu'il peut y aller tout seul, il y va. Il va fixer Kayoumov. Crochet intérieur. Puis crochet extérieur sur Souslo-Parov. On croit qu'il a perdu le ballon et du bout de pied. Troisième but de Gérald de